Coucou les choucroulous, ici l'Opinal pour l'épisode numéro 104 du 100 Baby Challenge. Et comme je vous avais dit à l'épisode précédent, j'ai avancé jusqu'au lundi. Et en fait, je suis une grosse boulette, j'aurais pu vous tourner le dimanche parce que il faut encore deux épisodes, hein, pas un seul, du coup, avant la fin du challenge maison, parce que c'est très mal tombé, parce que je ne sais pas compter, parce que j'ai pas regardé, et voilà. Donc, ce que j'ai fait pendant l'épisode, pendant le dimanche, pendant que j'ai tourné toute seule, tranquillou, j'ai augmenté les compétences des petits, j'ai augmenté les compétences de ceux-là, et j'ai fait plein de bénévolat. Vous savez tout, nous avons aujourd'hui les triplés qui ont un A de moyenne, et les triplettes ont un B, donc c'est parfait. J'en ai tous fait un groupe, voilà, ils sont en train de faire leurs devoirs comme des gentilles petites. Allez, faites vos devoirs ensemble. Zouzou, d'ailleurs... je me rends compte, pendant que je tourne mes épisodes, que j'arrête pas de les confondre. Mais toutes, je les confonds toutes les trois, elles se ressemblent pas du tout, mais je... Non, ça rentre pas dans la... Qu'est-ce qui est foot? Eh oh, les teubés! Est-ce que je vous ai dit de faire vos devoirs dans la chambre de maman? Je crois pas, non? Myriam! Va faire... Ok, donc c'est le squat chez maman, là. Très bien, elle va profiter de votre mère avant qu'elle soit vieille, hein. D'ailleurs, j'arrête. Alors, il y a mon chat sur mes genoux, voilà, donc si vous me voyez faire des gestes chelous, c'est normal. Bah oui, tu prends toute la place. Vous êtes déjà pas mal à m'avoir envoyé des maisons et ça va être très dur de choisir. Franchement, je dis pas ça pour vous lécher le cul parce que c'est pas mon style, mais ça va être très dur de choisir. Et écoutez, on va faire grandir les triplés, hein. Et comme j'ai envie... Comme j'ai envie aussi, on va faire vieillir Clémentine. Alors je sais que elle est censée vieillir toute seule d'elle-même, blablabla. Mais bon, elle aura plus de bébé, alors autant la faire vieillir. Comme ça, elle a encore sa chambre, elle est bien. Ou alors je vais lui en faire une vite fait, je sais pas. Allez, Bacana, deviens adulte. Zouzou. Oui, Bacana vieillit. Elle est quoi déjà, sourde, végétarienne? On va prendre un truc au pif, la 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 la. J'ai cliqué à côté, là 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 là, voilà, là. Et là, gna 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 gna, hop là. Méchante. Super. Ça ne correspond absolument pas à Bacana. La pauvre. La pauvre. Mais non, mais pourquoi? Pourquoi tant de haine? Allez, Kurama-chan. Et Clémentine, tu vas venir aussi, hein, ce serait pas mal. Et puis mon petit Pierre d'amour, hein. Vous savez ce que ça veut dire quand il sera adulte? Ça veut dire... Ça veut dire qu'il va aller faire pipi déjà pour commencer. Ça veut dire qu'il va aller pécho le mâle. Hop. Allez, cucu. On souffle. Kurama, Kurama, Kurama. Ouais, Kurama, ouais. Alors lui, il est sûr de lui, romantique et... Et j'ai encore cliqué à côté. Ça m'énerve ça. Oh, c'est nul leur nouveau perfectionniste. Ok. Ok. D'accord, pourquoi pas. Leur nouveau système de traits là, c'est nul. C'était beaucoup mieux avant pour choisir au hasard. Oui, parce que j'ai pas envie de me casser le cul avec des dés. Hein. Excusez-moi. Bon. Dada. Allez, Pierre, c'est à toi. Zouzou, mon petit chou. Ah, mais ils sont en train de chanter. Alors, je crois que malheureusement, vous aurez pas le son, mais c'est horrible. C'est horrible. Joyeux anniversaire! C'est un peu près ça, hein. Donc, Pierre est un génie, il est geek. Et là, les gars, si je tombe sur « déteste les enfants », mais je rigole. Allez, c'est parti, là, mais... Là, ok, là, 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 là. Paresseux. Très bien, ça va, ça aurait pu être pire. Franchement, ça aurait pu être pire. Parce que... Excusez-moi, ma mousse était enlevée. Parce que franchement, s'il est tombé sur des tests, les enfants, mais... L'horreur, quoi. L'horreur de faire un sans bébé avec ça. Bon, allez, Clémentine. Tu vas devenir vieille. C'est parti. On souffle les bougies. Ouais. Bravo, bravo, bravo. Oh, elle va être vieille, ça va faire tout bizarre. Oh, ma petite vieille.
Oh, on a passé tellement de temps avec toi, ma petite Clémentine. Pourquoi les sourcils sont pas gris? C'est honteux que j'arrête de dire ça. Oh, elle est trop chou. Vous savez que j'ai retrouvé Clara dans la galerie, sa mère, hein, pour ceux qui viennent d'arriver. Et ça m'a fait un petit. Ça m'a émoustillé un petit peu quand même. En vrai, Clara, c'était une bonasse, hein. Elle aussi. C'est tous des bonasses ici. Il faudrait que je fasse quand même une chambre pour Pierre, parce que pour copuler, ça le fait pas trop, quoi. La chambre de Pierre est tellement belle. Ah! J'ai trop envie d'y aller. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, c'est provisoire, de toute façon, on n'a pas besoin d'un beau truc non plus. On s'en fout, c'est juste pour pécho, vitef. Alors, je vous reprends quand j'ai viré Kurama et Baka de la maison. À tout de suite. Et re les choucrouloutes, donc c'est bon! Ils sont partis du foyer. Ah là, oula, oula, oula. Attendez, je vais m'occuper des gens là parce ils ont l'air un peu énervés. Voilà, regardez la télé ensemble, me faites pas chier, hein. Très bien, Clémentine. Oh, la petite vieille qui fait son jardinage. D'ailleurs, il va falloir qu'elle apprenne le jardinage à Pierre, hein. Bon, alors vous savez ce qu'on va faire, nous? Bah, on va pas chômer, hein. On va appeler le mec qui a un nom à coucher dehors là. Nuage you? On va lui dire bonsoir beau gosse, comment ça va? Écoute, on a bien accroché tous les deux, j'aimerais beaucoup que tu viennes. Viens, viens chercher bonheur. Viens. Bon, il arrive ou pas? Youhou! Ah! Mais il est devant moi, je l'ai même pas vu. Oh, il est enjôleur le gourgandin. Bonsoir. Mais tu es très en beauté aujourd'hui. Par contre, si vous pouvez éviter de vous pécho devant les gamines, hein. Parce que bon, quand même, c'est pas ouf. Allez, venez discuter dans le lit. Le lit rose, tellement beau. J'ai activé l'aura émotionnelle, normalement, voilà, il est enjôleur, c'est parfait. Chaleur. On va complimenter son apparence. On va lui demander s'il est célibataire, même si globalement, on s'en fout parce qu'on va le pécho. Échanger numéro de téléphone, n'est-ce pas? Draguer. Ou bonsoir, jeune homme. Comment ça va? Eh, l'amour remonte pas du tout là. Il est célibataire. Machin. Je sais plus comment il s'appelle. Il a un nom à coucher dehors, ce Sims, c'est pas possible. Déjà, il est moche et en plus, il a un nom de merde. Tout pour plaire. Enfin, il est moche. Non, ça va. Franchement, il a une carrure, ça va, quoi. Ça aurait pu être pire. Mais qu'est-ce que tu fais, Pierre? Mais Pierre, mais d'où c'est sexy de faire ça? Non! Non, tu fais pas ça, s'il te plaît! Oh, attendez, attendez, on va zoomer. On va faire notre Kevin, là. Mais non, mais te lève pas, du con! Mais du con, reviens ici! Mais non! Ouais, j'ai parlé de Kevin, alors du coup, il se casse. Et reviens là. Oui, ben je sais que t'es en chaleur, mais laisse-moi t'embrasser. Mais ils vont où? Ils vont dans la chambre de. Mais non, mais pas dans la chambre de Clémentine. Oh là 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 là, mais quelle bande de trous de balles. Oh mon Dieu. Non, on va pas lui dire d'être notre petite amie, on s'en fout. Après, il va être jaloux et tout, ça va être chiant. Alors, premier baiser. Je veux le premier baiser. Dépêche-toi! Ah! Attendez, il faut screen là. Ouh! Tellement de beauté! Je vais screen et je vais un peu spoiler les gens. Oh non, je vais pas les spoiler. Oh, je verrai. Oh mon Dieu, quelle beauté! Quelle beauté! Bon, bah non, vous allez baiser, hein. Oh, je vais encore me faire démonétiser, moi. Pff, tant pis! Bon, c'est bon? Ouh, chaleur! Allez, essayez de faire un bébé. Si par contre, si vous pouviez éviter de le faire dans le lit de maman, ce serait pas mal.
Allez, Zouzou. Non! Le lit de Clémentine. Le respect est mort. Il est mort, le respect, il est mort. Oh, mais non, mais Pierre, mais t'es dégueulasse. Oh, mais pourquoi? Mais pauvre Clémentine, regardez, elle est tranquillement en train de faire son petit jardinage là. Elle est toute contente, elle a une vie bien remplie et l'autre, il souille son lit. C'est honteux. Ah là, c'est vraiment honteux pour le coup. Mais non. La pauvre. J'ai l'air vachement rouge là. Bonjour, je suis une tomate. Non, mais vous dormez pas, hein. Mais c'est hors de question que vous dormez là-dedans. Ah, ils sont buggés. Regardez, ils sont buggés. La couette, elle bouge, mais il se passe rien. Bon, bah c'est cool. Sortez les bougies, hein. On s'en fout. Bon, les gamines, elles vont bien? Ouais, bof. Est-ce qu'elles ont fait le devoir supplémentaire? Je ne crois pas. Alors faites du devoir supplémentaire, mesdemoiselles. Bon, est-ce qu'ils peuvent arrêter de bugger les deux? Non. Bah attendez, je vais enlever le lit. Regardez, ils ont pas de jambes. Bonjour, nous avons des moignons. Je me moque pas. Attends, mais en fait, elles sont repliées dans. Oh, c'est juste des contorsionnistes. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais voilà, c'est bon. Hop là. Oh non, mais la honte quoi. Mais c'est quoi cette tenue pour dormir, monsieur? Elle a une bonne tête quand même. Oh, elle a des taches de rousseur, c'est trop mignon. Bref, oui, bah Pierre, tu mangeras après. Tu as mangé de la saucisse là. Allez hop! Et si vous pouviez arrêter de bugger, ça m'arrangerait. C'est pas possible quoi. Bon, Clémentine. De quoi as-tu besoin, ma vieille? Oh, elle a besoin d'aller faire un pissou. Hop! Si on pouvait faire un petit plat, alors du coup. Non, alors attendez. C'est dégueulasse dans ce frigo. Va prendre des restes après. Mon Pierre, c'est bon là? J'y crois pas qu'ils ont fait ça. Non, mais tu dors pas, s'il te plaît, Pierre. Ah, il se casse? Bah, très bien. Parfait. Bon, bah, nous, on va faire le test de grossesse. Hein. Maman, je peux utiliser tes toilettes, s'il te plaît, je me sens pas très bien. Oui, bien sûr, mon choupinou. Allez, choupinou. Oui, choupinou est enceinte! Trop bien. Non, mais on va pas lui dire, on s'en fout. Attends. Balègue, ce mec. Allez, prends des restes. Allez, va manger, faut manger pour le bébé. Oh, la vache, il pue. Le pauvre Pierre. Allez, faut manger. Les filles, toi, tu vas prendre des restes. Bah attendez, y a quoi? Y a quoi là-dedans comme reste concrètement? Ok, ça, parfait. Bah écoute, tu vas en prendre. Prends une portion, prends une portion, prends une portion. Si vous pouvez vous manier, les filles, ce serait bien. Clémentine, après tu vas dormir. Et puis bah Pierre, quand tu auras fini ta douche, tu iras aussi te coucher, hein. Voilà, il restera les gamines à s'occuper, les petites. Elles avancent bien, les petites, hein. Je pense que, ouais, dans 2 jours, elles seront ados. Elles sont parties où, les gosses, là? D'accord, donc il y en a une qui mange dehors. Il y en a une qui mange sur son lit et l'autre à table. C'est bien la vie de famille chez vous, les filles. C'est intéressant, hein? Hop, et Cécilia dans le lit rose. Oh, mais elles sont mignonnes, mes petites cailles. Allez au lit! Elles n'ont même pas nettoyé, les grosses dégueulasses. Il y en a partout. C'est honteux. Bon, Myriam, tu fais quoi? Ok, donc Myriam, elle fout son assiette là en mode bas les couilles, frère. Regardez, Pierre est enceinte! Oh! Possibilité de jumeaux. Franchement, si son premier gosse, c'est des... enfin, ses premiers gosses, c'est des jumeaux, mais je serais contente, moi. Alors, du coup, pendant qu'ils dorment, je vais noter le nom du machin, là. C'est quoi ce nom de merde, là? C'est pas possible. Alors, les petites, elles commencent dans 1 heure. Très bien, très bien. Bah, dépêchez-vous de vous lever, les gamines. Hein. Hop, utilisez, prendre une douche. Cécilia, tu pues! Vous puez toutes les trois! Arrêtez de dormir et allez vous laver le fion-fion. Évidemment, elles sont tellement molles, tu sais. Mais ils sont très lents, les Sims, c'est un peu chiant. Allez, c'est bon. Vite! Bon, Clémentine, on va faire le ménage, hein, parce que c'est dégueulasse, il y en a partout. Bah oui, Clémentine, hein, t'es pas encore morte, hein. T'inquiète pas que tu vas encore être utilisée.
Non, bah va à l'école maintenant. Va, va. Allez-y. Allez à l'école et travaillez dur. Ramenez-moi une bonne note. Qu'est-ce qu'il a, lui? Oh, ça, il se réveille. Il est au taquet, le Pierre, là. Regarde le bidou. Oh là là, le bidou de Pierre. Il a l'air trop content d'être là, le mec. Regardez, je suis enceinte. Magnifique, magnifique screen. Allez, hop, au travail. Zouzou. Myriam, tu fais quoi? Mais va à l'école, teubé! Mais dépêche-toi! Ah bah oui, quand même. Attends, elle a presque 1 heure de retard, la gamine. Bon, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Hein? J'ai recommencé à les insulter, donc ça devrait vous plaire. Que le premier amour de Pierre vous a mis toute chose, hein, parce qu'il est magnifique. Sur ce, je vous envoie des cœurs et des paillettes, et salut!